Alors là, du coup, on a ce qu'on appelle les chandelles romaines. Donc habituellement, c'est ce que le public réunionnais, majoritairement dans le monde, malheureusement, le tienne en main et souvent le donne aux enfants. Donc ça, c'est des choses à ne pas faire, je rappelle encore une fois. Alors c'est vrai que voilà, on a l'impression qu'on est dans un film de Star Wars quand on l'a en main, hein, mais en vrai, c'est des produits qui restent dangereux, donc à utiliser avec précaution. Donc ne pas tenir en main les chandelles, ça peut être sympa effectivement de le faire, mais voilà, il faut éviter absolument de le faire. En général, c'est prévu pour soit le piquer dans du sable, soit l'attacher, le mettre dans une bouteille, mais voilà, éviter quand même sur ce genre de produit. Donc ça, c'est sur les chandelles. Après, on a les incontournables, donc les batteries d'artifice qu'on voit là. Donc il y a différentes tailles, hein. Donc pareil, toujours en général à manipuler avec précaution, toujours à le placer sur un sol qui est assez stable directement, donc éviter les pelouses, voilà, ou qui permet quand même de l'artifice de bouger. Un sol dur et plat, du béton, c'est parfait. Et toujours soit deux parpaings, soit ce que vous trouverez à proximité, voilà, qui permet de quand même caler l'artifice. Voilà, donc ça c'est pour les batteries d'artifice, hein, ça vaut pour toute la gamme que vous avez là. Idem pour les petites fusées que vous avez là. Surtout ne pas les allumer au sol directement. Toujours à planter soit dans du sable ou soit dans une bouteille, voilà, assez stable qui permet l'artifice de décoller tranquillement. Voilà. Donc ça c'est pour les fusées. Et pour terminer après, bah, les rouleaux de pétard. Alors souvent on entend dire effectivement que tout part d'un coup avec une grosse explosion, etc. Mais ça reste un rouleau qui est quand même enroulé. Voilà, donc il y a juste à le dérouler, à le suspendre ou directement par terre. Voilà, et allumer la mèche tranquillement à bras tendus toujours.